Foxy Lady. Come on, baby. Très heureux de vous voir encore aussi nombreux. Merci d'être là. Encore une fois, je vais entendre mes habitués qui viennent à Jump Ton Top 3. Je vous aime tellement d'amour. Faites-moi un peu de bruit, là, ceux qui sont venus à plusieurs enregistrements. Parce que oui, on le répète, tu peux venir aux enregistrements de Jump Ton Top 3. Tu as juste à suivre ma page Instagram, Facebook, Tinder, Badou. Je suis partout aussi, OK? Et même Will Murphy, Grindr récemment et Tinder, c'est... Il met son information sur Grindr. Gars, à chacun sa promo. On est en 2021, Dave. On est en 2021, je suis ouvert à tout. Ben oui. J'adore que tu fasses ta promo sur Grindr. J'ai aucun souci avec ça. Et Thomas qui fait aussi de la promo sur OnlyFans. Alors, on vous invite à aller voir son OnlyFans. Mais merci aussi aux membres Patreon. Et je le mentionne toujours, notre bière Jukebox qui nous hydrate. Et d'ailleurs, il y a peut-être des gens qui sont bien hydratés sur la bière de Jukebox ce soir. Est-ce qu'on en a? Alors, merci à cette bière formidable de nous rendre sous et d'oublier notre... je sais pas. Non, il ne faut rien oublier. Il ne faut pas faire des messages comme ça. Hein? Tout est qu'on sur... oublie nos tunes? Oui, non, on n'oublie pas nos tunes. Moi, je me suis jamais trompé d'accord de ma vie. De ma vie. Sûr. Oui, ma fille! Et ce soir, d'ailleurs, oui, on peut accueillir, applaudir, en fait, notre petit trio, mais il va y avoir des petites surprises. On sera plus que trois, certainement. Will Murphy à la guitare. On peut applaudir, j'aime bien. On invite toujours les gens à aller voir les compositions de Will Murphy sur Spotify et toutes les plateformes. Et aussi son drummer, Thomas, qui est avec nous, qu'on peut applaudir aussi. C'est son deuxième épisode à Jam Ton Top 3. Merci de ta disponibilité. Ces gars-là, ils viennent pour de la bière et de la pizza, tabarnak, et ils ne boivent pas. Fait qu'ils viennent juste pour de la pizza. Fait que quand même, c'est beaucoup de générosité de leur part, et ça, j'en suis vraiment redevable. Et ben c'est ça, grosse soirée, parce que là, on part en plus dans un épisode. Ah oui, un épisode, Will. Un épisode. Merci. Ah oui, un épisode. D'accord. Un épisode incroyable. Un épisode incroyable. Ça va être c'est pas le bon. Un épisode correct. Non, mais c'est parce que je sais qu'en soir, on va jouer des tunes que tu as souvent joué avec ton drummer Thomas. C'est grâce à cet invité qui est un ancien bluesman que j'ai hâte de vous présenter. Il fait les premières parties de Louis-José Hood. Je veux qu'on l'accueille chaleureusement. Tu sais, tu as sûrement déjà vu, il anime au bordel, il est partout, il est incroyable. On applaudit Nive, mesdames, messieurs, come on! Bonsoir! Hey, ça va bien? Yes. Hey, une bonne main d'applaudissement pour Dave Morgan, mesdames et messieurs! On qualifie souvent genre un humoriste de « Ah, il fait ci, il fait ça ». Puis c'est ce que j'ai mentionné, en ce moment, tu fais la première partie Louis-José, tu roules ton show. Oui. Mais avant, back in the days... Back in the days, man. T'étais un bluesman. Un musicien, en général. J'avais mon band, j'avais mon projet, j'essayais de percer en musique. Et j'avais une tune qui tournait un peu à la radio, c'était pas mal. Et après, l'humour est arrivé. Ah oui, ça, je savais pas ce détail-là. Oui, oui. Et l'humour est arrivé et j'ai tout de suite été capable de manger des repas chauds, fait que le switch s'est fait. J'ai fait des blagues. Voilà, si c'était une blague seulement. Grave. Donc, ouais, c'est pas mal ça qui s'est passé. Fait que là, on est revenu aux sources ce soir. On est revenu aux sources. Merci d'ailleurs de nous permettre de vivre ça, les boys. Vous aussi, merci beaucoup. C'est fucking nice. Écoute, moi, j'étais content de t'inviter dans ce projet-là parce que Jam Ton Top 3, ça part de moi qui a joué, je gratouille la guitare depuis quelques années, mais il y a peut-être 3 ans, à peu près 4 ans, j'ai recommencé à vouloir jouer plus intensément puis de jouer avec un band. Et puis je savais que j'avais des amis humoristes qui jouaient. Puis Nive, tu as fait partie de ça dans les débuts, mettons, de ce projet-là. Yeah. Puis on est allé dans des studios de répète ensemble. C'était badass. Avec, sans doute, vous ne connaissez pas, mais Sigouin. Michel Sigouin. Michel Sigouin, qui est un bassiste incroyable, qui est un scripteur qui écrit pour plein d'humoristes, dont Mariana Mazan. Super auteur, oui, exact. Qui qu'il y avait là? Il y avait Sacha Bourque, que vous voyez souvent au drum. Oui. Puis t'étais là aussi. Exact. Puis c'est la première fois que je jouais du Rage Against the Machine. Oui, puis je me rappelle. Fucking badass. Fais partie, quand même, tu fais partie du blues, c'est ça que tu joues. Fait quand on jouait du Rage, t'étais full clean, genre tu jouais full clean. Ça manquait de dirty. Mais à soir, on verra pas toi en Rage, mais on va voir toi en blues. Que t'es moi comme en habitué, dirty. En dirty blues. C'est ça. Mais un gros arabe sale, Chris, ça va être bien le fun. Yes. Ben oui, si, ben oui. J'adore. Mais pour vrai, on l'avait... Je suis content de vous tant le dire. Tant que ça, hein? Ça surprend toujours les gens quand ils se mettent à parler à la québécoise. Ben oui. Mais c'est ça qui était...
Ça, est intégré. On peut-tu mentionner ça, que le fait que moi, si je me mets à apprendre l'accent arabe, par exemple, ça devient totalement raciste? C'est pas raciste, c'est juste que t'es pas assez tight. Ah! OK, c'est juste ça. Si mais imagine, si je faisais l'accent québécois comme un français. Alors, tabarnak, du coup, tout le monde serait comme ta gueule, c'est une marde. Petit coup de pied dans la gorge. Petit coup de pied, voilà. Mais tu parles bien anglais? Oui, bilingue. T'es comme pas un imposteur quand tu chantes en anglais. Là. Ça veut dire quoi être un imposteur? Non, mais c'est que moi, mettons, on a eu pas mal d'invités, puis moi, le premier, quand je chante en anglais, des fois, je... OK, t'as pas voyagé souvent en France, toi. Moi, je vais vous le dire. Au mariage de mon cousin, il y avait un full band, genre 17 musiciens, des horns, des percus, des danseurs. C'était fucked up, man. Et là, à un moment donné, on était sous et on faisait pas attention. Et là, on a porté attention et chanté Jenny from the Block. Ouais, J-Lo. Alors, ça faisait... from the Black. Pas une crise de parole, man. Fait qu'on n'est pas des imposteurs, si ça va aller. Mais non, mais t'as pour ta part, toi, là, ce soir, tu nous chantes tes vraies paroles, là. Oui. Parce que, tu sais, ils sont... Non, mais c'est parce que ton petit iPhone, c'est ça que je vais expliquer. C'est pas pour les paroles, oui, je vais vous le montrer. C'est que mon ampli, c'est un ampli de pauvre. Alors, ça vient avec une application et je la contrôle d'ici 2021, les amis, c'est ça. Exact, et que c'est le son de son ampli dans son cell. Eh oui. Puis il connaît son Jennifer Garde-lui Block par cœur. Son stack, ça a coûté 9000. 200 piastres. Mange la marde, Chris. Yes. Mais c'est ça qui est drôle, hein, avec le gear. Pour admettons quelqu'un que tu connais pas, c'est comme, attends, what, c'est avec ton sel que tu contrôles? C'est vrai quand... Ouais, c'est fou, mais c'est vrai qu'après ça, comme il a dit, c'est vraiment une façon... Je veux pas dire pauvre, je suis tellement asshole de faire... C'est vrai que c'est pauvre ton rig, contrairement à moi, ouais. Mais c'est vrai que c'est ça qui est drôle. Sauf avec, que moi, je mange tous les jours. Ouais, non. J'ai une belle complicité. Ouais, hey, Chris, moi, je l'adore. Il y a des cheveux, j'en ai pas. Je me sens super accueilli, tabarnak. T'en veux-tu un accent québécois, mon calice? Ben, il m'a dit, il n'y a qu'une affaire, mec, du poil, j'en ai partout sur le corps, Chris. Yes. Bien garni. J'ai l'air trop au courant que t'as beaucoup de poils. Oui, Dave, je m'inquiète un peu de ta réaction. Oui, comme, ben oui, je connais ça. Alma 2008. Ben là, pour voir, on joue... On joue des tunes que Will est super emballé de fer. Ben moi aussi. Outre votre beef par rapport au poil. La musique qu'on joue, vous êtes vraiment content. Tu sais, on va faire du Jimi Hendrix. On va starter en soirée avec ça. Jimi Hendrix qui est... Ben ouais. Qui était un peu la raison pour laquelle Will joue du blues. T'sais. Fait que quand il a su que tu faisais du... Puis toutes les tunes que tu as choisies sont des tunes qui touchent Will, je me trompe pas. J'ai enlevé le gate. Fait que... Vous allez découvrir, je pense qu'on est autant dans le jam ton top 3 de Nive que le jam de ton top 3 de Will. C'est vraiment toutes des tunes que j'adore beaucoup. Fait que je suis comme. Pour moi, c'était une joke là, de venir faire ça. J'étais comme, haha, c'est mon gang-pain. Fait que, on part ça. On va te... Yes! On y va avec. Ça justifie aussi mes petites franches. Oui. Très Jimi Hendrix. On aurait dû chanter Aerosmith aussi. Ça aurait été malade. Dream! Non, on y va avec Foxy Lady. Hein? Je sais pas s'il y en a qui connaissent ce grand classique. Alors vas-y mon cher Nive, Foxy Lady! Il faut un pic, hein? Oui. Ah, il peut habituer. Scream! Oh, Foxy!
Foxy Lady. Here I come, baby. Ça, on dirait que je viens de baiser. Ça fait combien de temps que t'as pas joué avec un band, Nive? Nive, ça fait combien de temps que t'as pas joué avec un band live? Trop longtemps. Je transpire déjà. Trop longtemps. Trop longtemps. Asti, que ça fait du bien. Man, c'était excellent, Nive, pour vrai. Ben, tu... Puis ta voix, quand même, est toujours à sa place. Est-ce que tu te pratiques? Tu gardes-tu genre le... Ben, je joue tous les jours, mais pas okay. Avec des gens. Mais jamais avec... genre, tu joues encore avec des bands, man? C'est quand ça même étonnant. Ça fait des années que non, non. Il a drivé à Git comme un esti de champion. Yeah. Là, moi, il m'a mis sur le cul, là. Solide, man. All right. C'est bon. Let's do this. Je suis abasourdi, mon. Ben, moi et tout, m'a dit, Chris. Pour vrai, là? Ben oui. Fait que là, on poursuit. On garde. Là, on est dans le fucking blues. Si t'aimes pas le blues en ce moment, tu vas être déçu parce que cette soirée-là est remplie de blues. Ah, il y a un bon noise, hein? Il m'a l'enlevé. Ah, ton esti d'application de pauvre. Pas pour dire, mais ça dans tabarnak. Alors, faisons ça. Mais non, mais juste, quelle chanson t'as envie de faire? Alors, on va faire une chanson qui n'est pas de Eric Clapton, mais j'ai découvert par Eric Clapton, qui s'appelle Five Long Years, qui est un blues en la, pour ceux qui aiment ça. Fait que c'est parti. Trop genre, non, mais ça, c'est trop geek, là. On va faire un blues en la. Ah, yes, yes. Hey. Pour ceux qui savaient, qui sont au courant, c'est quoi un blues en la, ben, mettez des commentaires. Merci. On n'aura aucun. C'est quand vous voulez, moi. Oh, OK. On parle de même? On parle de même. T'es ready, là? Yeah. OK. Have you ever been mistreated?
what I'm talking about. I won't fight for longer years for one woman. She had the nerve to put me out. I got a job in a steel mill, shock and steel like a slave. Fight for longer years every Friday I come straight back home with a hole in my pay. Have you ever been mistreated? You know just what I'm talking about. I worked 5 long years for one woman. She had the nerve. Sa mère. Allez. What a night, man! Hey, je te ferais un jam ton top 1000, là. T'sais, c'est cucu à dire, mais... Moi, en ce moment, j'étais genre un vieux bluesman des années 70. Là. J'étais ailleurs, j'étais de autre planète. Ah, moi, j'étais dans la ségrégation, mec. C'était loin derrière.
On séparait la salle, là, tu sais. Sacrifice. Bravo. Wow. Méro, quand Méro en avant dit que c'était solide, c'est parce que c'était solide. Complètement blues. Ouais. Hey, chantez la gang. Merci. Je pense que vous avez autant de fun que nous autres, on a sur la scène, hein? Oui. Je trouve ça vraiment le fun de voir que, tu sais, le blues, c'est un style qui est... Je veux pas, c'est le style de musique, by the way, qui meurt pas en ce moment. C'est bien un style de musique qui a encore des festivals partout dans le monde. C'est oui. Le jazz puis le blues, même si c'est pas le plus streamé. Mais la preuve d'en jouer en live, ça démontre que c'est un style qui rejoint encore les gens en tabarnak. Yeah, absolument. Puis je trouve ça très cool de savoir que, comme même si t'écoutes pas ça chez vous, it hits right here, man. Mm-hmm. Ça, tu sais, ça m'émue moi qui a commencé à jouer de la guit. Ben c'est ça qui est à cause de ça, de voir que c'est encore aussi apprécié. Moi, c'est cet album-là de Clapton, From the Cradle. Si jamais vous voulez checker ça, c'est un album de 94 où il reprend ses meilleurs tunes de blues et c'est de la violence totale. C'est le premier disque que j'ai acheté. HMV dans le temps, motherfuckers. That's right. Yes. HMV, mais en même temps, lui, il était là bien avant ses foutus disques, genre. Ouais, ouais. CD, que... Ouais, Clapton, c'est... il était là depuis l'héroïne. Ça puis, fait longtemps. Honnêtement, moi, je le donne à Will Murphy. Il m'a remis dans la zone de Clapton. Il m'a ramené à la bonne place. Un putain de guitariste. Là, comme, ben, je sais que tu me diras c'est un cover, mais c'est du Clapton pour moi. Là, ouais, ouais, c'est ça, exact, exact. Mais le blues, il y a 12 chansons qui ont été refaites 1000 fois. C'est à peu près ça, le blues. La prochaine, d'ailleurs, qu'on fait... Non, elle n'a pas été refaite 12 fois. Là, on part dans du keb. Là. Là, je veux juste dire, je veux pas faire de shade à l'épisode d'avant. Mais c'est quand même drôle que c'est le juif marocain qui va venir chanter une vraie toune de kebs. Je veux juste dire ça. All right. Ben, pour le projet en général, je trouve qu'on chante pas assez de keb. C'est que des fois, on dirait que ça. On a déjà parlé ça dans d'autres épisodes. C'est que des fois, ça nous gêne plus. On dirait quand c'est notre langue à nous que de chanter puis de baragouiner en anglais. T'sais. Moi, je veux juste dire que je vais baragouiner en joual. Je peux la chanter que de cette façon-là, et c'est de cette façon qu'elle va être chantée. Toi, Nive, rien n'est ton langage. Tu es bien chez toi partout. Je suis international. Je suis terrien, mesdames et messieurs. Voilà. Je n'ai pas de couleur. Bon, on va continuer à jouer de la musique. À la douane. Continuons à jouer de la musique avant de perdre tout le monde. Fait que là, on y va avec, on le dit, Offenbach, avec la toune Aïe Aïe. Yes, ma'am! Pas la version de Safia Nolin, là! Non, on y non, va non. Que... Safia a fait un très beau cover avec tout ça. Tout à fait, mais. Elle s'est appropriée, ce cover. Full band, c'est difficile. Oui, quand même. C'est plus ça. Will, il peut pas jouer doucement, je l'ai puis, entendu. J'ai parlé de Brain LeBeuf tantôt, je me trompe pas, c'est Brain LeBeuf, c'est le bassiste. Tout à fait. Il était pas gêné de faire bien des affaires à la baisse, c'est que j'ai essayé d'y rendre le plus hommage que je suis capable à ce bassiste quand même. Je veux juste dire qu'il joue pas d'habitude la baisse et ce soir, il groove en tabarnak, man. Okay. Dave Morgan, ladies and gents. J'essaye. Je suis bien entouré, ça m'aide. All right, let's do this. Thank you.
Merci! Ah oui, ah oui, ben là, oui. Ouais, ça, il y a deux limites, hein, de prendre un accent keb. Il y a avoir un accent keb, puis il y a parler comme Jerry Boulet. Genre, c'est comme le ultimate keb accent. C'est le gars qui va être content. Il est intégré, mon calice! Excusez-moi. Mais, aïe, quand même, moi, c'était celle qui me fuckait le chien à la base. C'est une tune que j'adore. Ouais. Peut-être une mini-gaffe, je sais pas si ça a apparu. On verra... Mini-gaffe charmante, ça rend ça charmant. Bourré! Elle n'a pas une STI qui a payé mes chiens. Tout pareil. Tout pareil, c'est ce monde-là. Fait que là, il nous en reste juste une, mon ami. Est-ce que tu vis le moment? T'es-tu bien? T'as-tu quelque chose à heureux, dire? Heureux, t'as-tu la joie. Faim? Fais-tu chaud? T'as-tu soif? Tout ensemble, mais faisons de la musique, c'est nice. Est-ce qu'on invite notre copain à revenir avec nous? Ben, oui, c'est que là, on finit une tune avec... mon Dieu, on finit avec B.B. King, un grand du blues. Ouais, monsieur. Et on avait un épisode où il y avait un charmant jeune homme qui joue de la guitare comme un dieu. Fait qu'on va le réinviter à trois guitares pour ce morceau-là. Alors on réaccueille, pour ceux qui n'étaient pas là, vous ne savez pas, mais on accueille Antoine Durocher qui va se rajouter. Seigneur, non mais Niamh, je savais pas ce que je viens de voir. C'était fantastique. Merci beaucoup. Ben, je t'ai mu, Chris. On peut-tu dire, by the way, c'est tellement un wet dream de guitariste comme cette liste, ça? Ouais, Niamh est arrivé, il a fait genre, dans le fond, tu vas faire comme 20 solos. Puis j'étais comme, hey! I'm a giver. What do you want? Non, mais pour vrai, juste de vous entendre jouer comme ça, moi, j'étais comme, tu sais, j'étais là. Puis je me sentais comme un chiot qui regarde un parc à chiens, mais il est pas encore dans le parc à chiens, tu sais. Puis comme là, j'ai le goût, tu sais, jouer le chien, tu sais. Ah, OK. Je suis un Bouvier bernois. C'est ça. Fait que c'est la dernière chanson, B.B. Yes. King. C'est, bon Dieu, c'est quoi le titre déjà? Thrill is gone, baby. Thrill is gone. Amenez à moi. Une autre tune qui me stresse à la base, parce quand même, ben, je pense pas... Voilà. Je pense pas que B.B. King va nous écouter juger. Es-tu décédé, B.B. King? Oui. Oui. B.B. King est mort? 100%. Bon. Ah, ben j'ai aucun remords à jouer tout crush. Parfait, on part ça. OK. Quelle intro.
Antoine Durocher, Will Murphy et le cher Thomas, que j'oublie son nom de famille. Et Dave Morgan, mesdames et messieurs, à la basse! Hey, merci de partager l'épisode. Pour vrai, de partager la bonne nouvelle avec Jam Ton Top 3. Vous êtes un public incroyable. Merci à vous et au verre bouteille, la bière du jukebox, toute la gang. Bonne soirée! Good job! N'en avez-vous eu pour votre argent sur la guest list? On passe le chapeau!